Salut Kevin, salut tout le monde. Salut Robin, hello tout le Comment vas-tu? monde. Comment ça se passe ce soir? Ah. Comment va aujourd'hui? Comment? Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, très bien. Ben, je dois dire que ce soir, je serais ravi si il y a quelques motivés parmi nous, parce que ce soir, ben, il fait beau. À mon avis, il fait beau un peu partout, et Ah donc ça ça oui. fait du bien. Hein. Là, j'ai inauguré le barbecue. Oh. Donc ça fait du bien. Il a fait beau toute la journée. On a pu profiter un peu de la terrasse. Et toi, comment ça se passe? Très bien aussi, je vais aussi profiter du soleil, un petit peu sortir après la journée de travail, ça fait du bien. C'est clair. Une petite pause dans les bars. Je sais pas si vous faites des petits after work déjà ou c'est à l'agence là où tu travailles? Ah non, pas encore, Pas toujours, encore. ouais, toujours télétravail, et Ouais. ouais, y compris les after-work. Cool. Bah ça Bon devrait ben, revenir. oui, bien sûr. Bah oui. Écoute. Alors, merci d'être là ce soir. Ce soir, on a avec Robin préparé quelque chose qui va t'intéresser en principe. Le but, c'est de travailler de collaborer toi et nous. Et donc, du coup, on va travailler sur comment construire un portfolio qui justement est bien construit, prévu pour, espérons-le, attirer des clients. Et donc, du coup, on va discuter, on va donner des petits tuyaux, des petits tips. On va voir un peu comment ça se passe avec toi, avec le public. Voir un peu, donc voilà, si par exemple tu as un portfolio à partager, parce qu'on a fait la demande de notre côté. Et donc, on a reçu un portfolio de quelqu'un de motivé qui a fait ça sur Webflow. Donc, évidemment, on privilégie les projets sur Webflow. Et donc, on commencera avec lui et on le remercie déjà d'ailleurs. J'ai mis les liens sous la description des différents portfolios qu'on va parcourir, dont celui d'Adrien. Arnaud, Adrien, excuse-moi, je ne sais plus. C'est Donc, j'ai Arnaud. mis Arnaud, ça me disait bien, Arnaud. Donc, Arnaud, désolé. Et donc, on va analyser les portfolios. Et alors, on a un petit lien Figma aussi. Que je vais d'ailleurs mettre dans la description. Check, check, check. Je disais à Robin que j'allais la mettre et j'ai oublié. Sinon, je vois qu'il y a Nicolas qui est parmi nous. Salut Nicolas. Hello D'ailleurs, Nicolas. Nicolas, si tu as un site à nous partager ton portfolio, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, comme ça on pourra le parcourir ensemble si tu veux un retour dessus, ce sera avec plaisir. Alors, projet Figma, Oops. Enregistré. Donc, si tu regardes sur YouTube, il faut rafraîchir ta page. Et sinon, si tu regardes depuis le groupe privé, parce qu'on diffuse à deux endroits ce soir, et d'ailleurs, à chaque live, on diffuse à deux endroits différents. Donc, si tu es intéressé par Webflow, on a le groupe Webflow Entraide, où on est déjà presque 600, donc c'est quand même pas mal. Il y a une belle ambiance et on s'entraide. Donc, dès qu'il y a des questions, il y a toujours quelqu'un qui répond. Donc, ça, c'est top. Et donc, on diffuse et sur YouTube et sur ce groupe. Mais donc, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à venir rejoindre le groupe. Alors, tu peux y accéder sur Facebook ou tu tapes dans le moteur de recherche Webflow Entraide. Tu vas y accéder. Et puis, sinon, toujours le bouton, enfin, le lien qui se trouve sous la description du YouTube, où tu as accès à la formation gratuite Webflow et du coup aussi aux accès Webflow Entraide et le groupe même Circle, le groupe un peu plus privilégié de l'API Web Academy. Voilà. Alors, hop, je reviens ici. Yes. Alors, je vois qu'il y a Nicolas qui me dit qu'il en a, mais qu'il n'est pas sur Webflow. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on a fait une présélection de sites, comme l'a dit Kevin, qui ne sont pas sur Webflow non plus. Le but ici, c'est vraiment de
décortiquer les sites, peu importe sur quelle plateforme tu les as créés, et te donner des petits tips comme ça, mais de nouveau, indépendamment de la plateforme. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux le partager. D'ailleurs, je vois aussi qu'il y a Arnaud qui est parmi nous, donc ça, c'est cool, il va pouvoir voir en live l'analyse. Jessica, oui, tu peux aussi partager ton portfolio, même si c'est graphisme, design, comme tu le sens, peu importe. Vas-y, vas-y. Ok, ben on commence avec Arnaud. Ouais, c'est parti. Ouais. Allons-y. Alors, je reprends sous les yeux aussi. Donc, le fichier Figma. Ah, ben non, je ne l'ai pas mis ici. J'arrive. Et Nicolas, oui, si ton portfolio est sur la photographie, il n'y a pas de souci, tu peux le mettre aussi. D'ailleurs, on a fait une présélection d'un site aussi, portfolio photographie vidéo. Donc, ça pourrait être intéressant peut-être de nous partager le tien. Et puis après, un peu comparer les deux et voir s'il n'y a pas des aspirations que tu pourrais retirer de celui dont on s'est aspiré aussi. Ok. Voilà. Alors, ouais, je vais juste partir ici. Oups. Ok, on y est. Nickel. Alors, en grand. Donc voilà, donc Arnaud, en quelques mots, il est étudiant en architecture et il a décidé de faire son portfolio sur Webflow. Rien que ça. Donc déjà, bravo de t'être mouillé et d'avoir testé l'outil. À première vue, d'un premier coup d'œil, Robin, on peut dire que c'est pas mal du tout. Oui, surtout que la première image, on voit directement de quoi ça va parler. En tout cas, on va se douter et ça va aussi se confirmer au fur et à mesure qu'on va scroller. Donc déjà, première image, bonne impression. Ouais. On va donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de on n'est pas là pour critiquer, absolument pas. On est là pour donner des petits tuyaux, donc pour t'encourager à faire des petites modifs, des petits changements. Donc, absolument, ne pas le prendre mal. On est là pour s'entraider. Si pendant le live, tu n'as pas la réponse à tes questions, pour X raisons, si on passe à un autre ou quoi, ok. Tu peux toujours nous contacter ou venir dans le groupe, nous taguer et on fera un plaisir d'approfondir l'analyse s'il faut dans le groupe privé. Comme ça, tout le monde peut en apprendre du coup en même temps. Ce qu'on va faire, Robin, c'est... d'abord parler du premier aspect, donc de l'observation. Donc qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que on remarque. Donc je sais pas si tu veux commencer ou tu veux que moi je comme tu préfères. Je te laisse peut-être scroller et alors on commente au fur et à mesure. Ok, alors moi déjà ce que j'observe, petite astuce, donc sachant ici que Webflow est quand même une plateforme hyper sécurisée et que tu as créé ton compte et que tu as droit en fait à ton SSS. Donc, le SSL activé. Ici, tu ne l'as pas encore activé. Donc là, c'est le truc qui me frappe tout de suite. Donc, il faut absolument que tu actives le SSL dans Webflow parce qu'en principe, c'est d'office activé. Donc, ça, c'est un point important pour Google, pour tes visiteurs, pour tout. Il faut absolument activer ça. Sinon, moi, ce que j'observe, c'est qu'on arrive, on a une grande page blanche avec une grande image, pardon. Et puis, on va scroller. Donc, voilà, je scrolle. Et là, tu as fait un scroll horizontal qui est sympa, qui nous permet de voir un peu tes petites créations avec des petits bonshommes, des petits... On voit que c'est des projets... J'aime beaucoup celle-ci, moi. Ouais, avec du carton. Je serais curieux de savoir tous les matériaux que tu as utilisés. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on voit. On voit tout de suite... un peu, donc voilà, tu parles en anglais, donc je suis Arnaud, je sais pas si je vais traduire, tu es étudiant à l'ULB, donc c'est à l'Université Libre de Bruxelles, et donc voilà, tu dis que j'espère que la visite enjoyed, et n'hésitez pas à donner votre feedback. Ben voilà, donc ça c'est cool. Arnaud, tu es ouvert au retour, donc ça c'est chouette. On voit ton projet ici, donc les projets que tu as fait, donc on voit que tu es disons spécialisé organic farm, donc ferme biologique. On
voit ici. Ouais, je sais pas traduire en fait ces noms, mais on voit que tu es un étudiant assez talentueux, pas mal de chouettes dessins, qui a des workshops. Alors c'est peut-être voulu, mais toutes les images sont noir et blanc ici par contre, et ça fait un chouette aspect avec les couleurs du texte bleu, comme ça on est très épuré. Je sais bien, c'est un style. Parfois, ce qui est, ah voilà, j'allais dire, ce qui peut être intéressant, c'est que quand je passe avec ma souris dessus, il y a la lumière et la couleur. Mais ça, voilà, c'est fait. Je sais pas pourquoi je le voyais pas là tout de suite. Voilà. Donc on continue comme ça. Alors j'ai des choses à dire, évidemment, je te cache pas, j'ai des choses à dire que je ne dis pas parce que voilà, c'est pas. Mais d'un première vue, d'une première approche, je trouve que tu as bien fait ça. Visuellement, voilà, je trouve que c'est original. Et ça fonctionne. Tu as joué un peu avec les animations, c'est sobre. Voilà, dans l'aspect esthétique, moi je trouve que c'est sympa. Vraiment, bravo, c'est très bien. Robin, je sais pas si tu veux. Ouais, bah moi je suis vraiment fan du scroll horizontal dès le début parce que ça met vraiment bien dans l'ambiance directement avec bah, le parcours de tes projets comme ça en grand. Parce que si tu sais un petit peu scroller après, Ouais. ce que je ferais comme mini correction, moi c'est de nouveau les seconds projets, peut-être les mettre un peu plus grands comme les autres justement, ça donnait bien de montrer ça en grand. Et ce qui me dérange un tout petit peu, c'est le texte qui est par-dessus les images. Qui est du coup pas super visible, d'autant plus en noir et blanc, alors que ton texte est noir. Donc peut-être simplement le mettre juste en dessous de l'image. Pareil pour les workshops d'ailleurs. Comme ça mettra d'autant plus en avant tes images qui sont vraiment à ton avantage, je trouve, parce que c'est justement c'est à chaque fois du beau travail. Et donc bah, autant mettre des grandes images et qu'on le voit vraiment bien, que ce soit bien mis en évidence. Et sinon, c'est chouette aussi, ouais, comme tu disais, Kevin, de passer du noir et blanc ou en couleur, parce que moi, ça fait bien popper les images et ça les met encore plus en valeur, donc ça, c'est vraiment chouette. Et alors, de nouveau, aussi, un peu de contraste dans le footer, j'aurais peut-être mis en blanc, moi, ce qu'il y a dans le footer pour que ça ressorte un petit peu mieux. Ouais, ce qui est ici, le petit logo réseaux sociaux. Ouais. Ok, non, franchement, c'est sympa. En tout cas, d'un point de vue visuel, on voit que tu as testé les petites animations et tout ça, donc je pense que tu n'es qu'au début sur Webflow et tu as déjà bien compris pas mal de choses. Donc ça, c'est top. Franchement, bravo à toi. Moi, ce que je pourrais dire maintenant, d'un deuxième œil, si tu veux rendre ça un peu mieux, les grandes images comme ceci, donc sont très chouettes, mais elles manquent un tout petit peu de texte. C'est juste parce que beaucoup de. Donc là, tu es étudiant, tu es dans l'architecture. Imaginons, tu es un jour architecte, ce que je te souhaite, et que tu mets en avant tes projets pour tes futurs clients. Il faut qu'ils comprennent en fait la démarche que tu as par rapport à tes maquettes, par rapport à tout ce qu'il y a, toute la réflexion que tu as par rapport à ce que tu proposes. Et ce serait bien de le mettre quand même en texte en première ligne, parce que ça, en question ergonomie. Les gens n'ont pas le réflexe de scroller. Donc voilà, il faut penser à la majorité des personnes, hein. Donc un petit texte et une petite valeur. Mettre ton. Je tombe pas sur le mot. La valeur que tu proposes, donc la phrase d'accroche, et un petit bouton peut-être pour te contacter, mais d'une manière un peu plus subtile, pas juste contact, un truc un peu plus flash. Pour que les gens comprennent tout de suite où est-ce qu'ils doivent cliquer. Donc ça, c'est juste de la une petite chose que je ferai. Le petit scroll, moi je trouve c'est sympa. C'est risqué, mais c'est sympa, très sympa. Question ergonomie, en tout cas, c'est risqué, mais c'est très sympa. Voilà. Puis sinon, je rejoins Robin. Voilà, je vais en rester là. Moi, je trouve c'est du beau travail, donc je vais pas. C'est très bien comme ça. Yes, du même avis. Yes, ah ben voilà. Ok, donc regardons un peu dans le chat. Donc on a Jessica, je ne connais pas ça, mais est-ce que le texte est petit? Allô,
c'est des portfolios de graphique. Attends. Jessica, est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire exactement? Alors, Arnaud, 3 ans d'archi, je peux prendre des critiques, il n'y a pas de souci. Top. en tant que créatif, on doit accepter les critiques de toute façon. On a là mon portfolio et ton photo. Ok, ça t'a déjà réagi. Ok, passons au suivant. Est-ce qu'il y a des personnes dans le Figma? Donc là, c'est le Figma qu'on a prévu. Donc, il n'y avait pas le projet d'Arnaud parce qu'Arnaud est arrivé en dernière minute. Mais on peut passer au prochain. On commence ici, par Emma. Yes. Donc, tu as le lien sous la description. Mais sinon, je vais donc cliquer ici et on va aller sur le lien du site. Ce qui est pratique ici, si tu arrives à accéder sur Webflow, c'est que tu peux éventuellement mettre une petite remarque. Donc, si toi, déjà, tu as envie de donner ton avis et que tu veux, hop, tu fais un petit commentaire. Donc, j'ai cliqué ici sur la petite bulle « at comment » et tu viens cliquer ici et mettre ton petit commentaire. Et comme ça, on va venir le voir après. Mais donc, voilà. Ici, on a Emma qu'on salue d'ailleurs. Elle n'est pas prévenue qu'on fait une petite analyse comme ça en live. Et donc, si tu nous regardes, sache que voilà, on est là pour t'aider si tu as la moindre question. Donc ici, on a Emma Lacaze qui est graphiste en motion design et voilà, qui nous a fait son site. Alors, ce n'est pas un Webflow que je regarde un peu. C'est du React. Code custom. Donc voilà, on va le regarder un peu. Donc, on a l'accueil. On a à propos de moi, donc on voit qu'elle est graphiste, motion designer en Gironde, c'est à Bordeaux, elle parle de ses études, voilà, prestations, devis, hops, et donc le call to action c'est les devis, et donc on arrive tout en bas sur un petit questionnaire, un petit formulaire avec quelques questions de ce qu'on aurait besoin, donc ça c'est chouette. D'avoir un questionnaire. Les couleurs sont sympas. C'est épuré. Voilà, il y a des choses à dire, mais en première observation, je dirais, il est fonctionnel. C'est juste que d'un premier abord, il n'est pas construit suffisamment bien que pour que les clients laissent leurs coordonnées, par exemple, pour éventuellement travailler avec toi. Donc ça, il y a des petites choses à améliorer. On va en venir tout de suite. Et voilà, ça c'est mon avis à chaud comme ça. Je ne sais pas si Robin, tu veux passer. Je ne sais pas en fait comment. Comme c'est la première fois, je ne sais pas si tu veux donner ton avis à chaque fois, si tu veux donner une autre partie. Comment tu. Bah, je vais faire peut-être au fur et à mesure. Ouais, chaque fois que tu dis ton avis, je vais aussi donner le mien juste après. Ici, en tout cas, ouais, en première vue, je dirais qu'en tout cas, on voit directement bien via ton nom et le sous-titre ce que tu fais. Mais je trouve que visuellement, il y aurait peut-être moyen d'un peu plus mettre en avant ce côté graphisme et motion design, notamment parce que elle met beaucoup des photos, etc. Mais si c'était justement pour rester dans cette ambiance graphisme et motion design, j'aurais plus mis des photos en rapport avec ça, justement, ou des exemples de projets qu'elle a déjà fait, pour que juste via les photos et juste en scrollant, on comprenne « Ah oui, ok, elle fait ça ». Parce qu'ici, oui, on voit des beaux bureaux et c'est des très belles photos, mais je trouve que ça évoque peut-être pas super bien sa particularité qui est justement de faire du motion design. Voilà, on voit qu'il y a son Instagram avec un peu de mouvement. Tu vois, ça vaut peut-être la peine de mettre justement ces photos-là un petit peu en avant. En plus, il y a des vidéos, donc ça, de nouveau, c'est un peu la mode de mettre des vidéos directement en grand quand on arrive sur le site. D'ailleurs, on verra quelques sites qui l'ont fait. Ouais. Parce que ça attire vraiment vite l'attention et on comprend directement le type de projet qu'elle est capable de faire. Qu'ici, je trouve les photos sont peut-être un petit peu moins parlantes. Yes. Ça, c'est pour la première impression, ouais. Ouais. Bah ouais, première impression. Alors, deuxième regard, moi, je dirais que par rapport à l'accueil, en fait, le bouton qui se trouve ici, qui nous, en tant que designer, développeur, on connaît effectivement l'hamburger, il est chouette. Mais de nouveau, la majorité des clients,
Et au final, les projets que tu vas réaliser vont être majoritairement pour des clients qui sont peut-être pas créatifs comme toi. Et donc, du coup, ils sont parfois perdus avec juste un burger qui est très épuré, très sympa. Mais finalement, ils sont un peu perdus. Ils savent pas, en fait. Ils savent pas qu'ils doivent cliquer là. Donc, il faudrait plutôt mettre, tu vois, le devis que tu as mis là, le mettre ici un peu en bouton call to action, un peu plus standard, mais qui va permettre de faciliter la visibilité et l'usage. Et puis du coup, ici, j'en viens directement en bas à ce formulaire que je trouve une chouette approche de vouloir proposer directement de laisser les coordonnées du visiteur, etc., avec les petites demandes spécifiques. Comme ça, tu sais que voilà, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous et voilà, proposer tes services. Le seul inconvénient de ce formulaire-là, c'est qu'il est un peu trop long. Et il y a une solution à ça, c'est que sur ton site, si tu fais un devis comme ça, je t'invite plutôt à demander juste prénom, email, en disant par exemple le pourquoi. Donc, si tu vas proposer par exemple une demi-heure de rendez-vous en ligne, tu mets clairement, voilà, c'est pour 30 minutes de première, un call découverte, comme on dit. Et alors, ce que tu peux faire, c'est que automatiquement, quand la personne prend rendez-vous, il y a un autre mail qui est envoyé à cette personne, et du coup, elle a un formulaire à compléter, plus dans le détail. Ça, c'est des choses qui se font, et je verrais ça plutôt comme ça. Comme ça, sur ton site, ça reste assez épuré, c'est pas trop trop long, parce que malheureusement, j'imagine que voilà, tu dois pas avoir beaucoup ou quasi zéro de personnes qui complètent les coordonnées. Ça peut faciliter en fait le premier contact si tu simplifies le formulaire avec juste prénom et email. Voilà, sinon je trouve ça une chouette démarche. Donc ça montre que tu as envie de travailler et que tu as envie de convertir tes clients. Donc c'est pour ça que je te le dis. Voilà, je vais en rester là. Nickel. J'irais juste rebondir moi sur le fait que, comme tu disais avec le menu, c'est vrai que le menu prend quand même beaucoup de place, d'autant plus qu'il reste au scroll. Donc ça fait quand même une grosse partie blanche qui reste en permanence sur le site. Donc comme tu disais, ce serait peut-être plus sympa de mettre déjà quelques liens directement là, quitte à quand même laisser le menu burger, mais au moins mettre les liens principaux là-dessus. Et pour le formulaire, c'est que je rejoins ton avis, ça fait directement le gros formulaire à remplir. Alors, j'aime bien ton idée justement de renvoyer le formulaire plus complet par mail. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que j'utiliserais bien aussi pour mes formulaires, c'est une bonne idée. Sinon, ce que je peux te conseiller, c'est de faire en plusieurs étapes simplement. Comme ça fait moi directement le gros pavé. Tu pourrais faire juste d'abord, tu commences nom, prénom, et puis étape 2, qu'est-ce que tu veux. En plus, comme ça, tu gardes un petit peu le côté personnalisation, et ça, c'est sympa aussi. Ah oui, c'est une Et comme ça, excellente tu fais idée. ça en une ou deux étapes. Ça fait moi directement le gros truc. Et comme ça, les visiteurs sont encouragés justement à aller d'une étape à une autre, et ça fait moi le gros truc à remplir d'un coup. Ouais. Petite astuce à ce propos, parce que ça, c'est quelque chose qui se fait aussi, comme tu dis, donc en plusieurs étapes, mais moi, je prendrais soin quand même de capter la première réponse. Donc, email, prénom, tu la captes. Comme ça, même si la personne ne répond pas à tout, tu as quand même déjà Au un moins, t'as premier ça, ouais. contact, tu peux Bien relancer vu. du coup la personne. Ouais. Et ça se fait beaucoup. Enfin, moi, je vois ça beaucoup. Ok. Alors, je vois ici Jessica qui répond. Ah oui, tu parlais du portfolio. Jessica, je trouve que c'était petit, effectivement. Oui, en fait, on a un petit décalage entre le temps de réponse. Mais c'est pour ça que je pense que le petit Figma ici, tu peux cliquer dessus. Figma est gratuit, donc tu peux créer un compte gratuitement. Et tu viens mettre ta petite pique Pinterest, là, comme la petite pin de Pinterest. Et on reviendra alors dessus, tu vois. Comme ça, on comprend exactement. Ah voilà, Nicolas est là, je vois. Ok, passons au suivant. Yes. Hein, Robin, ouais. Ouais. Alors, ici, on a Maxence qui, ops, qui lui, animation 3D. Ah ben, il travaille sur son site. Je vois que le site a changé. Ça, c'est quand moi j'ai pris. Ah, attends. Portfolio. Ah non, voilà, Ah voilà, attends. c'est ça, ouais. C'est ça.
Mais je découvre en même temps que ici en live, donc. Ah ben voilà, ben écoute, ici, donc Maxence, Charles est animateur 3D, et donc on découvre son portfolio. Alors il y a démo gameplay. Ça, tout de suite, ça attire la curiosité. J'ai envie de savoir. Ah, moi j'ai un peu de musique, je sais pas si vous entendez la musique. Non, moi j'ai pas de Non, retour. j'ai pas Mais encore. je vois qu'il y a la petite icône son qui s'est mis dans ton onglet. C'est juste dommage pour le chargement. Je sais pas si c'est parce qu'on est en live ou si c'est Je sais vraiment pas. ça charge vraiment. Ben, moi, je vois comme toi, ça tourne, mais j'ai le son. Mais j'ai. Ah. Ah, nickel. C'est chouette en tout cas de mettre la petite vidéo. Dommage qu'elle Clairement. prend un peu de temps à charger. Mais si Ouais. elle prenait moins de temps, ce serait bien de la mettre directement. De ne pas devoir cliquer pour la voir. Parce que justement, je trouve que c'est génial de pouvoir montrer ça comme Ouais. réalisation. Donc pourquoi pas l'afficher directement? Je trouve que ce serait chouette. Peut-être qu'elle n'a pas démarré parce qu'on est en live justement. Ouais, C'est comme peut-être tu dis, aussi. c'est peut-être. Et même si elle prend 1 ou 2 secondes à démarrer, bah, quitte à mettre un petit loader avant d'arriver sur le site. Surtout si justement il est. Il fait de la 3D, peut-être mettre une petite animation 3D pour le chargement du site. Et alors après, on arriverait justement sur toutes ces réalisations via la vidéo. Ça serait cool. Et vous entendez pas, mais la musique, elle est très bien. Ok, mais ça c'est top. Ça c'est clairement mettre en avant ce que tu fais. On va cliquer quand même sur le deuxième aussi. Donc c'est gameplay, donc animateur 3D, tout ce qui est jeu et cinéma. J'imagine. On peut choisir l'un ou l'autre. Ah, c'est vraiment C'est sympa. impressionnant quand même. Ouais. Envie de tout regarder, du coup. Ouais, moi j'ai le son. Merci. Ça vous entendez un Ah, tout petit peu aussi. on a le son, ouais. On va pas regarder tout, hein. C'est. Chouette. Oups. Voilà, franchement top. Top, top, top. Donc création top. Donc là, on n'a rien à redire. Je pense que en animation, il nous bat à plate couture. Ah, ça c'est sûr. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en est du site proprement parlé? Ben, je trouve ça c'est sympa. Déjà, ça montre que. Mais du coup, le petit contact, il est assez timide. Il est assez timide. Bon, t'as tes réseaux sociaux, donc ça c'est chouette. Mais donc contact, c'est un petit formulaire de contact. Disons que voilà, c'est très sobre, très très blanc. Voilà, c'est peut-être voulu, mais. Ouais, le seul truc qui me dérange un peu, c'est le gros pavé dès le début. Perso, moi, j'ai un peu la flemme de tout lire dès le début. C'est ça que je disais, j'aurais bien Moi aimé avoir aussi. directement la vidéo dès le début. Ouais. Et puis après, oui, alors aller lire un peu plus en profondeur, mais c'est pas la première chose que j'ai envie de voir et lire. Peut-être que mettre les vidéos qu'on a vues là dans le fond ou. Ouais, c'est ça, directement dans le héros. Moi, j'aurais mis ça Mmh. vraiment en Ouais. super grand en avant parce que c'est impressionnant, donc autant le montrer direct. Mmh. Ça mettrait plus de caractère. Que là, le site est assez simple, un peu. Ouais. Alors que ça mérite d'être beaucoup plus original. Surtout que tu as mis en avant les vidéos. Et ici, ben voilà. Ok. Alors, on voit la page à propos. Si on voit quelqu'un. Là, c'est bien, on voit qui tu es, on imagine que c'est toi. Et là, on voit ton CV. C'est vrai, ouais. Alors,
Les CV, moi personnellement, je trouve pas c'est une très bonne idée, à moins que ce soit pour être engagé absolument. Mais voilà, en principe, sur le site, le CV, on le demande ou on le clique, mais je ne le mettrai pas comme ça en grand. Ceux qui sont intéressés par pour travailler avec toi, par exemple, ils vont cliquer à un endroit discret, CV, par exemple. Sinon, il y a pas mal. Enfin, il le met fièrement, peut-être aussi parce que voilà, il y a quand même Ubisoft, Ouais. pas mal d'années, donc il est fier, il a raison. Ok, voilà, je sais pas si Robin, tu veux ajouter quelque chose? Non, pour moi, tout est dit, je pense qu'on a bien parcouru ce site. Voilà. Et dans les commentaires, mais il est. Ah ouais, on n'a pas. Oui, ok. Nicolas qui dit qu'il n'y a pas le son. J'ai fait un peu écouter le son. Alors, passons au suivant. Donc là, déjà, voilà, il y a Voilà, c'est ça que déjà j'aurais une voulu voir vidéo. moi sur le site précédent. C'est directement, tu arrives, bam, tu as la vidéo. D'ailleurs, ici, les visiteurs, c'est les personnes qui voient le live ici, ne le voient pas. Mais justement, il n'y a pas de son. Et ça, je trouve c'est chouette parce que ce n'est pas intrusif dès le début. Mais si tu cliques, alors là, il y a le son qui se met. Ouais, et tu vois Donc, laisser le qu'il y a choix comme même. ça, c'est sympa. C'est ça. Ils ont même écrit Play with sound. Donc si je clique, j'ai le son. Ouais, on voit Et si je la petite reclique, icône. ça pose. Ça, c'est top. La musique est très bien aussi. Donc, passons l'intro. En tout cas, l'accueil donne le ton. Ouais, d'ailleurs, si tu cliques pas automatiquement au bout d'un moment, ça se met direct sur le Ça site. se met. Ok. Ça, c'est subtilité, c'est très bien. Autre petite subtilité, c'est que jusqu'ici, en fait, tu aurais pu ne jamais cliquer. Parce que la vidéo, au bout d'un moment, passe sur le site. Et même ici, on voit les images qui défilent sans même que tu aies justement à scroller. Et Ouais, je trouve que c'est pas mal comme c'est approche sûr. un peu passive où juste tu as regardé, tu t'apprécies le contenu qui s'affiche à toi. Et moi, ouais, je trouve ça chouette. C'est une belle approche. C'est vrai que c'est chouette, donc ça voudrait dire que tu fais charger la page et puis en fait tu te laisses guider, quoi. C'est ça, Il te ouais. montre ce que tu as, ce qu'il a montré. Ça, c'est vrai que c'est. J'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. Alors peut-être ici un petit peu trop lent pour juste attendre, mais dans la Ouais. démarche, je trouve que c'est chouette, ouais. Voilà, si je continue à scroller. En tout cas, c'est très design. C'est très le côté waouh. Et à gauche, ici, on voit Creative Direction Still Motion. Donc, c'est du motion. Donc, ouais, c'est un peu discret, mais on voit clairement que le talent et les projets sont mis en avant. Moi, ce que j'avais remarqué, c'était, je trouvais dommage ici que le. Et on en avait parlé d'ailleurs quand on avait analysé aussi les différents portfolios à la pause café. Avec les élèves de l'Appui Web Academy, c'est que le petit logo, en fait, tu as un grand logo quand tu es en haut, il me semble. Alors, en fait, là, c'est un défilement à l'infini. D'ailleurs, il fonctionne dans Ah les deux oui. sens. Que tu scrolles vers le haut, vers le bas, tu Oui, tourneras toujours en c'était rond. chouette. Ça, c'est sympa aussi, ouais. Ça, c'est chouette, mais du coup, le logo, il était un peu Ouais. Mais si tu vas sur la page About, tu auras petit. l'animation. Voilà, il est Ouais. là. Mais là, du coup, ce serait chouette, la petite subtilité, voilà, qui reste comme ça. À la limite, qui devient plus petit une fois que tu scrolles, mais que si tu repasses dessus, hop, on le Ouais, quand revoit. tu repasses dessus, ouais, ce serait chouette. Ouais. Pour revoir le nom, justement, c'était pas mal. Ouais. Voilà, c'est non très beau. Je sais pas, Robin, ce que tu veux. Attends, je reprends mes petites notes. Donc Yes, vas-y, vas-y. pour l'intro, moi j'ai adoré justement la vidéo parce que directement ça te met dans le mood, dans l'ambiance. D'autant plus que comme j'ai dit, tu peux vraiment laisser tourner et tu t'es vraiment passif et il te présente le truc. T'as pas le son direct, donc ça c'est pas intrusif et ça c'est chouette, mais tu peux quand même l'activer si tu veux. Et alors dans la page principale, moi j'adore vraiment cet effet de scroll. Tu peux vraiment aller à l'infini, t'as tout qui est présenté devant toi. Sans intervention de ta part, parce que justement, voilà, il y a tout qui défile automatiquement, ça c'est vraiment chouette. Plus le fait justement que ça tourne à l'infini, ça c'est chouette aussi. Le seul petit truc qui m'ennuie, moi, c'est le menu. Je trouve il est la structure est un peu bizarre et
la disposition, enfin ouais, c'est de mettre le About Reads Archive comme ça au-dessus de l'autre, puis après contact un petit peu sur le côté. C'est une disposition qui est un peu bizarre et ouais, moi ça mordit un peu, mais voilà, ça détaille. Je clique sur la page contact. Et sinon, de façon générale, je trouvais qu'il était vraiment super épuré et qu'il y avait bien des bons espaces entre les différents projets. Ça faisait pas un peu trop un sur l'autre, justement. Tout est bien espacé, ça c'est chouette. Mmh. Ouais, c'est un beau travail. Très épuré, très graphique. Ça, il y a beaucoup d'éléments, mais ça reste bien. Chaque truc est bien distinct et ça reste bien épuré, ouais. C'est vrai que le côté passif, moi, c'est ce que je retiens. La technique, en tout cas, de l'expérience utilisateur, je trouve qu'elle est vraiment chouette. Ouais. Et on voit ça rarement, en fait. Je pense que c'est la première fois que je vois ça où vraiment on peut laisser et on se laisse guider. C'est chouette. Très, très chouette. On a fait le tour, Robin, de celui-là ? Ouais. Yes. Ok, alors si vous avez. N'hésitez pas à nous mettre. Ah ben voilà, tu es en train de le dire aussi. Si vous voulez mettre votre avis, un commentaire sur les différents sites qu'on est en train de parcourir, n'hésitez pas. Quitte même à faire un petit classement, peut-être même des meilleurs sites. Et voir surtout ce que vous retenez, comme ça, c'est aussi intéressant pour nous de voir justement ce qui capte votre attention. C'est toujours intéressant pour justement nous reproduire après dans nos sites web ou même pour vous aussi dans vos sites web. Ouais. Ok. Next. Alors ici, ça c'est un peu mon coup de cœur. Hop. Donc on est Sésame ouvre-toi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce qui est écrit est assez clair. Et que du coup, on sait tout de suite à qui elle parle. Donc elle parle aux startups. Qui sont en pleine phase de développement de produits. Donc ça, c'est chouette. Ce que j'aime bien, c'est le jeu de mots avec Sésame ouvre-toi, le fait que, voilà, il y a le diamant, les trésors, donc le sésame. Je trouve ça un jeu subtil des mots et un design épuré au goût du jour, donc avec de la 3D. Vraiment sympa. Le fait que la barre de navigation reste visible quand je scroll est aussi malin, parce que ça veut dire ça veut dire que voilà, j'ai toujours à ma disposition le contact. Et puis il y a cette continuité en 3D, des créations 3D qui sont très belles d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et le guide, hein, donc voilà, demander de l'aide. C'est pas juste en savoir plus, c'est demander de l'aide. Je clique et hop, j'ai son calendrier qui arrive et voilà. Donc ça, c'est assez bien foutu. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'elle cite ce qu'elle fait. Donc, merci de préciser de manière claire le ou les sujets que vous souhaitez aborder. Exemple, voilà, donc là. J'aime bien parce que ça sent un peu le vécu justement de ouais, formulaire qu'il a dû recevoir. Ne faites plus comme eux, hein, ne faites plus comme eux. Ouais, c'est vrai que. Mais voilà, et puis voilà, elle parle d'elle aussi, donc on la salue. Hein. C'était Marie. Donc Marie, on te salue. Très beau site. Moi, j'aime beaucoup, franchement. Donc les réseaux sociaux, la page à propos, présentation. Alors je vais cliquer ici juste pour voir. Voilà, ça je trouvais ça sympa aussi. C'est qu'il y a un petit questionnaire en fonction de ce que j'ai besoin. Donc imaginons, je cherche un branding. Je clique branding, je note les petites choses. Donc je vais mettre test. Je sais pas si la sélectionner là. Alors si je fais ça, je dois faire continuer. Ok, ben je mets prénom, nom, société, email. Et puis, voilà. Donc, ça reste un peu dans l'allusion que tu as faite avec les étapes. C'est ça, ouais. Ouais. Donc, là, c'est plus user-friendly, comme on dit. C'est propre. Et puis, voilà, je ne sais pas scroller. Donc, je ne vais pas être distrait.
Je sais que sur à cet endroit, je mets mes coordonnées. Donc ça, c'est chouette. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est fait sur Webflow, celui-là. On va voir. Ça ne va pas tout de suite. Enfin, je trouvais qu'il était vraiment... Moi, je suis positivement... Je suis positif sur celui-là. Je le vois peu de défauts. C'est bien sur Webflow, ouais. Ah, c'est bien sur Webflow. Ouais. Du coup, pour ma part, j'aimais beaucoup les illustrations. Ça donnait directement un côté un peu friendly, justement, à la personne. Je trouve que c'est des couleurs et ouais, des illustrations qui sont vraiment chouettes, vraiment sympas. Limite, même un peu apaisantes aussi dans les couleurs. Et ça met directement dans un bon mood, je trouve. Par contre, toi, tu disais justement que tu appréciais le fait que directement, on voit bien ce qu'elle fait via sa description. Mm-hmm. Alors, tu vas dire que je suis un gros flemmard, mais de nouveau, moi, même ces textes-là, je les lis pas de suite. D'abord, je scrolle vraiment toute la page, je lis que les gros titres. Et ici, juste en lisant que les gros titres, j'ai pas directement compris ce qu'elle faisait. J'ai dû justement lire la petite description ici dans le héros pour clairement comprendre. Mais bon, voilà, c'est peut-être moi qui suis un gros flemmard et qui... Mais je pense que de plus en plus, en fait, juste tu scrolles la page en mode scan, tu regardes juste les images et les gros titres, et après, tu essaies de te faire une idée. Ouais. Et en tout cas, pour ma part, je ne me la suis pas faite dès le début, juste en scrollant une première fois. Donc, okay. Ouais, il fallait vraiment lire à chaque fois le texte en détail pour avoir toutes les infos. C'est quand même super intéressant au final, parce que bah, si vraiment tu veux avoir toutes les infos, bah, tu as vraiment tout le contenu qui est pour toi, et tu peux vraiment aller voir dans les détails ce qu'elle fait. Mais c'est juste voilà, ce premier coup d'œil. J'ai pas directement pigé. Sinon, comme tu disais, j'aimais aussi beaucoup le formulaire de contact et le calendar list. Super intelligent de sa part. Mm-hmm. Est-ce que les dessins sont un peu trop distrayants du coup? Ce serait ça le risque de ce genre de peut-être aussi, et peut-être pas. Comment dire, ils représentent pas bien les sections qui sont censées illustrer, même s'ils sont très beaux et bien illustrés, ils n'illustrent pas bien les propos de chaque section. Okay. On a un univers un petit peu distant de ce qu'elle propose. Ici, elle est dans l'univers un peu start-up, etc. Et ouais. Juste en regardant les images, j'ai aucune référence ou d'allusion justement au mode à l'univers des start-up. C'est vrai. Et du design. Ouais. Côté image, c'est très sympa. Mais c'est vrai que peut-être qu'à un moment donné, il faut pas oublier le côté start-up. Et c'est vrai que. À point qu'au début, moi, je pensais juste qu'elle était illustratrice et qu'elle montrait un peu son univers, ce qu'elle faisait. C'est vrai. C'est ce que je pensais au début aussi. Et ben voilà. Mais en tout cas, beau design. Mais ouais, à peut-être faire un petit audit à plusieurs personnes, histoire de voir un peu comment... Enfin, aux clients cibles, en tout cas, aux startups, voir un peu leur avis. Comment est-ce qu'eux perçoivent ce côté... Je pense que peut-être mettre l'accent sur le côté startup un peu plus alors du coup, pour pas qu'on soit trop distrait par les dessins, parce que c'est vrai que on est tout de suite attiré par les beaux dessins, mais voilà, peut-être que les titres ici peut-être. Tu as élevé votre équipe, mais alors toi j'illustrais justement, on voit un bateau, bonne idée, tout le monde est dans le même bateau, mais alors mais quand même des personnes etc qu'on voit justement l'esprit d'équipe. Valider l'idée, bah, peut-être mettre une petite ampoule, enfin, je sais pas, avoir des illustrations qui illustrent à chaque fois un peu les sections seraient chouettes. Ou peut-être même détailler un peu plus que pas juste valider l'idée, c'est voilà, valider quoi l'idée? L'idée, être plus précis, parce qu'au final, ce que les gens vont lire, c'est juste ça, quoi. C'est juste ça. En tout cas, moi, j'ai lu que ça, ouais. Okay. Et alors, un tout petit détail aussi, je pense qu'on peut le voir aussi dans le live. C'est le logo qui est en image, pas en code texte. Et du coup, il est un peu en basse qualité. Et je trouve que ça se voit un peu trop. On voit que c'est un peu pixelisé, Ouais, effectivement. Effectivement, bien vu. Il y a quelques petites corrections comme ça, ouais. Mais ça, d'ailleurs, t'as pas ça, mais moi, sur mon écran plus large, le texte qui est juste en dessous du titre « Sésame, ouvre-toi », il prenait vraiment toute la largeur et du coup il chevauchait l'image où il y a justement la grosse bulle un peu mauve, etc. Et du coup il n'y avait aucun contraste, on ne voyait pas.
Alors, j'aurais un truc à intelligence, c'est que derrière, elle a mis une espèce de, je sais pas comment dire ça, un nuage ou quoi. Tu vois, c'est un peu plus blanc derrière. Ouais. Et justement, ça s'étire, mais au bout d'un moment, il s'arrête et du coup, le texte dépasse. Et du coup, justement, tu as plus de contraste. Donc, l'idée d'avoir cette espèce de nuage derrière, c'est une super bonne idée parce qu'au moins, ça fait bien ressortir le texte. Mais juste ici, c'est temps pas assez pour les écrans larges. Donc, ne pas négliger voilà, toutes les tailles d'écran. Ouais. Alors, bon, voilà. On a fait le tour alors de. Ouais. De Marie. Donc, on la salue. Hops. Et passons au suivant. Donc là, on a Valérie. Alors ça, je sais que c'est l'animation que tu aimes bien. Hein. Ah, j'adore. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler juste après. Tu vas nous partager un petit tuto, un petit tuyau à propos de la souris, parce que c'est quelque chose qui apporte du dynamisme, un peu de flash. Et puis, en plus, la particularité, c'est ça. Donc, il met en évidence... ouais, ça met bien en évidence certains mots. Ça marche pas partout, ça marche vraiment pour certains mots. Mmh. Donc ça veut dire que il est spécialisé, voilà, pour créer des layouts, des sites web et des typefaces et l'adresse email. Donc I'm Valérie, graphic designer, we create layouts, et donc il crée des layouts occasionnellement. Et de temps en temps des fonts, ouais. Let's make something together. Donc on va aller voir un peu plus loin qu'est-ce qu'il fait exactement. Donc, on voit des projets. Donc, Beaver. On va cliquer dessus. Un peu de temps à charger. Ah, voilà. C'est parce qu'on est en live, hein, ça prend. Ouais, ça doit être ça. C'est vrai que chez moi, c'était assez rapide aussi. Donc, packaging design. Donc, OK. Packaging. Un chouette style. Ce que j'aime bien ici, c'est que c'est vraiment bien détaillé. Tu as les grandes photos, les textes, etc. Mais ça reste bien espacé, bien épuré. Et surtout, t'as, en bas, tu as ta preview et next. Et ça, je trouve c'est chouette d'avoir pensé justement à dire, bah, une fois que tu as tout passé, tu peux facilement passer au suivant et au précédent. Okay. Soit à chaque fois repasser sur la page d'accueil ou de la liste des projets, puis recliquer, là tu peux directement aller au suivant. Je trouve que c'est bien pensé ça. C'est vrai. C'est une belle navigation de second niveau. Et si je clique sur More, ah oui, alors là j'ai encore les coordonnées et l'adresse email. Et hop, j'arrive à l'accueil. Ben, d'un point de vue design, en tout cas, c'est très beau, très joli, c'est très épuré. Le style est très chouette, ouais. Après, je ferai juste attention. Je trouve qu'il manque de clarté au niveau du problème que Valérie résout. Donc, ça veut dire, est-ce qu'elle fait spécialement du packaging? Parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a du print, il y a du web. Type, ça fait un peu beaucoup, mais cela sinon... dit, on le voyait quand même bien dans le héros où justement elle mettait en évidence ses spécialités, ouais. Donc ça contrebalance un petit peu ça. Justement, c'est ça que j'aimais bien, moi, c'est que c'est directement tu arrives dans le héros, tu as la phrase claire, nette, précise, tu as les mots clés qui sont bien mis en avant dès le début, et alors après, tu as tous les projets qu'elle a fait, etc., qui confirment ce qu'elle vient de dire et ses talents finalement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment chouette. En tout cas, pour moi qui aime bien justement de juste avoir un aperçu vite fait, rapide, là, j'ai directement eu. Ouais. Ah oui, tu ne peux pas passer à côté. Donc, c'est vrai que... Voilà. Puis le call to action reste très clair aussi avec son mail bien mis en avant. Donc... Ouais. Ça, ouais, j'ai vraiment bien aimé, ouais. Ouais. Une fois que je scroll, en fait, il est soit en bas, soit tout en haut, soit dans le mort. Donc, il est là aussi. Donc, ouais. C'est vrai que là, on ne peut pas le louper. C'est juste dommage quelque part que c'est juste un email. Mais bon. Ça le fait. Et si je veux aller plus loin, je peux aller dans les réseaux sociaux. Ouais. Le seul truc que je trouvais un peu bizarre, moi, c'est de nouveau, c'est le menu qui est dans les quatre coins, là, tu vois. Ça t'a pas choqué, toi? T'as le mort ici, puis en dessous... Ah non, j'ai même pas vu, figure-toi. Ah bah voilà, tu vois. Ouais. Mais j'ai mis aussi du temps avant de voir. Ah bah oui, il y a mort qui a void qui sont en dessous. Ouais. Mort, à propos,
Oui, c'est vrai. Non, bah, Ouais, figure-toi, ça j'avais saute pas aux pas. yeux dès le début, donc ouais, peut-être Non. revoir cet aspect-là. Non. Mais sinon, même dans l'ergonomie, je trouve que c'est chouette. C'est bien fait. Ouais, non, c'est vrai que c'est beau travail, je trouve. Point de vue de développement, je trouve qu'il y a aussi un travail quand même à plusieurs endroits. Tu vas peut-être confirmer. Ouais. Un petit détail, c'est qu'elle a oublié de mettre le favicon. Au-dessus, t'as pas de petite icône dans Ah, ton onglet. yes. Yes. Et est-ce que c'est sur Webflow? Non. Non, c'était natif jQuery. D'ailleurs, j'ai noté une petite astuce Webflow en lien avec ces pages détaillées des projets où tu peux faire preview et next. Il y a moyen de faire pareil aussi dans le Webflow CMS. L'astuce, c'est de simplement te mettre un champ qui fait référence à un autre élément de la collection. Donc, tu mets reference field. Et là, en fait, tout simplement, bah, tu mets à quel autre élément du CMS tu veux faire référence. Comme ça, quand tu cliques sur preview, bah, directement, tu as le lien qui renvoie vers le projet auquel tu as fait référence. Ok, ouais, donc tu Donc, pourrais en deux, trois clics, c'est vite mis en place ça dans le pourrait être CMS. pratique. Ça, c'est chouette. Il y a quand même une petite ligne de code du coup qu'il va falloir mettre. Ah non, même pas, tu mets juste, donc tu crées ton champ dans, quand tu crées tes champs dans ton CMS, Ouais. par exemple, tu t'écris ton blog, bah, tu ajoutes un champ qui fait référence. Un peu comme quand tu écris un blog, tu fais sûrement des. T'as souvent une collection catégorie à laquelle tu Ouais. fais référence. Donc, tu as soit une seule référence ou même des multi-references. Ah, ok. Tu vois ces champs-là? Bah, là, Je ici, tu vois. mets juste one reference et puis tu fais référence à un autre article de blog ou à un autre projet. Et donc, dans ta page, tu vas mettre cet élément-là, et quand tu cliques dessus, bah, ça va faire une redirection vers la page de cet item du CMS. D'accord. Ok, je vois, je vois. Mais Donc, tu c'est vois, pas c'est vraiment mis que. en, vite fait, vite Ouais. mis en place, Tu hein. dois manuellement mettre vers Ah oui, c'est quel. toi qui choisis, ouais. C'est ça. Ouais. C'est pas dynamiquement que next, enfin suivant ou Ah oui, précédent. non, ce sera pas, oui, c'est pas automatique. C'est toi qui dois préciser lequel tu veux qu'il soit le suivant. Ce qui finalement est peut-être pas plus mal aussi parce que bah il y a certains projets peut-être que tu veux pas forcément mettre en avant C'est vrai. directement et que tu veux que C'est ton vrai. suivant arrive toujours vers le même, par exemple. Enfin C'est voilà, comme vrai. ça t'arranges un peu comme t'aimes bien. Yes. Ok. Bon, ben, super. Ben voilà, on est déjà au dernier. Ça c'est mon gros coup de cœur, celui-là. Ah ben, à toi l'honneur alors. Attends, je vais Allez. l'ouvrir. De Robert Meyer, qui est Art Director et Digital Product Designer. Directement, moi, ce que j'adore, et comme sur le site précédent, c'est que directement, tu vois ce qu'il fait. Tu sais qui c'est, Ouais. ce qu'il fait. Et c'est un peu sur trois couches, comme ça. Tu as une première couche, tu vois son nom parce que c'est couleur blanche, et puis Art Director dans une autre couleur. Et puis encore en sous-niveau, tu as des gros mots-clés ici qui sont juste avec le contour qui de nouveau ajoute bah, un autre niveau de lecture et je trouvais ça vraiment intelligent d'avoir ces trois niveaux mais quand même directement dès le début voilà tu sais qui c'est ce qui fait et un petit peu ses valeurs Yes. plus l'animation qui est vraiment sympa Ah, scroll, un scroll soft scroll scroll, ouais, ou ouais. smooth scroll. Un autre truc ici que j'aimais vraiment bien c'est que c'est la petite photo. D'ailleurs, je pense que je vais reprendre cette idée-là sur mon site. C'est que, tu vois, c'est le I design, mais le I, finalement, c'est comme s'il était illustré, tu vois. Salut, c'est moi, et puis après, je design des interfaces. Ok. Ouais. Tu as utilisé cette photo un peu comme si C'est c'était original, ouais. une lettre. Je trouve que c'est une bonne idée, c'était bien vu. Puis après, bah T'as voilà, vu? c'est lié avec les réseaux sociaux. Et tu as vu ici dans le fond là les petites. Oui, il a mis. J'ai un peu regardé comment il a fait. En fait, il joue avec un canevas qui va animer comme ça. En fait, tu pourrais simplement mettre une vidéo qui tourne en fond, mais au moins comme ça, là, c'est vraiment top qualité. C'est Ok. propre. Ouais. Par contre, je sais pas si t'as ça aussi, mais moi, quand j'ai lancé le site, mon ordi a commencé à chauffer et à tourner parce que justement, il consomme pas mal de ressources parce qu'il a fait pas mal d'animations et du coup, c'est un petit peu au détriment des performances, même. Ouais, Ça, c'est un compromis à faire, ça. je le sens, je t'avoue que le scroll il est pas super smooth, il est un peu il bug un tout petit peu quand je scroll, mais ça va encore. Mais mon ordinateur il tourne déjà, il souffle déjà à cause Ouais, cause il du live, donc mais ça va, il tient, il tient.
Eh bien, ouais, Alors ici, donc. ouais, tu as tous ces projets qui sont détaillés. Ce que j'aime beaucoup, c'est que de nouveau, comme le site précédent, c'est que tu as la petite animation ici au scroll, où quand tu ouvres certains éléments, bah, il va s'agrandir. Et de nouveau, ça met encore plus en évidence bah, certains mots, certaines images, etc. Donc pour capter l'attention, je trouve que c'est vraiment intelligent de faire ça. Ouais. Puis après, tous les effets, ouais, ils sont magnifiques. Le parallaxe, toutes les images, les animations, ouais, c'est top. T'en penses quoi, toi, jusqu'ici? Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'animation et on voit qu'il y a quand même un travail derrière, c'est-à-dire qu'il a des projets qu'il a réalisés ou en tout cas qu'il a utilisés comme maquette pour présenter. Et je trouve que ça a bien mis en valeur. Non, je trouve que j'aime bien le style un peu épuré. Non, moi, je trouve que c'est vrai qu'il est très très chouette. Là, on voit, en plus, on voit bien, bien dans le détail tout son le process de ce qu'il a réalisé. Et le scroll qui me guide pour me dire, OK, t'es presque à la moitié, donc comme ça, je sais où j'en suis. Je trouve ça assez bien aussi. Et c'est tout ce qu'il y a, en fait. Ce qui manque peut-être ici, c'est un petit bouton call to action, juste histoire de toujours Ouais, peut-être qu'à présent. la fin de la page, tu auras peut-être Oui, il un. va y être. Mais en tout cas, Mais quoique, je pense que j'avais noté justement que même sur la page d'accueil, il n'y avait pas de scroll to action, de call to action vraiment clair, précis. Voilà, il n'y en a pas. à moins que ce soit voulu, à moins que ce soit voulu, il y a son adresse email en dessous, mais c'est assez Ça reste discret. discret, ouais. Non, voilà. Ouais, c'était les deux seuls points négatifs que j'avais notés. C'était ouais, le call to action pas très clair, mais bon, est-ce qu'il en a besoin? Je ne sais pas. Voilà, peut-être que les projets qui montrent suffisent à ce qu'on cherche justement où Voilà, c'est taper ce ça. bouton. Et alors, la grosse consommation de ressources. Mais sinon, ouais, pour moi, je suis vraiment fan de ce site. D'ailleurs, un petit Et truc ben sympa, merci. c'est que c'est pas lui qui a développé son site. Donc, lui a fait le design. Parce que si tu vas voir dans la console, quand tu fais inspecter le site, en fait, le développeur a fait une petite dédicace à lui-même. Donc, C'est pas si tu vrai. fais, si tu fais clic droit, puis tu cliques sur console. Tu vois ici, ouais, je ne sais pas lire comme ça directement parce que l'écran est trop petit de mon côté, mais en Made gros, il se fait by une petite dé. Mario Mazzelli C'est ça, puis après, tu as le lien de son Twitter. de son Twitter. Malin. Top. J'aime bien les petites refs cachées On comme ça, les c'est sympa. like. Oui. On les like plusieurs. Plusieurs postes. Non, c'est vrai que c'est malin. Oups. Chouette. Non, franchement, très beau. Et donc là, sans rentrer dans la technique, qu'est-ce qu'il a utilisé? Donc, TwinMax jQuery. Ouais, donc c'est du JS pur et dur. Allez, un petit challenge sur Webflow, quoi. En vrai, ce serait un peu chaud. Genre ici, toi, tu as l'espèce d'effet, je sais pas comment on appelle cet effet-là, où quand tu Je crois scrolles sur les projets, tu as une espèce de déformation un peu fluide et comme ça je crois de la que ça dévelop. s'appelle curtains, rideau en fait. Ah oui, ok. Ah, j'irai Rideau. checker ça. Ouais. Ou Ça, c'est alors vraiment rideau, c'est stylé. quand tu passes la souris que ça fasse comme un rideau. Mais ça doit être Ouais. un effet lié à ça, ouais. J'aime bien aussi, moi. C'est au scroll en fait. Hein. C'est comme étiré chaque fois que tu Puis ça scrolles. va bien justement avec son smooth scroll qui rend encore le truc un peu plus fluide. Ouais. C'est propre. Non, non, c'est chouette. Franchement, un très beau projet. J'aime beaucoup aussi. Je comprends que c'est ton coup de cœur. J'aime beaucoup aussi. Ah, et Playground, ça c'est quoi la plaine de jeu? Ah, là c'est quoi? Ah, c'est tout. Tous les projets, ouais. Tous les projets. Tout en mix en fait. Donc, ouais. C'est beaucoup de talent en tout cas, un beau projet. Il y a quand même des détails, tu vois, qu'on ne voit pas tout de suite. C'est par exemple la barre de navigation, voilà, qui disparaît, mais dès que je scrolle vers le haut, elle réapparaît. Ou alors j'ai rêvé.
Moi, j'aurais aimé. Ou peut-être à l'accueil qui avait ça. Ah, tu vois, voilà, non, elle est là. Ah ouais. Bon, c'est un peu discret, ton sur ton, mais... Mmh. D'ailleurs, il a désactivé le scroll natif du web. On s'était fait la réflexion hein, tout à l'heure quand on voulait faire des captures d'écran pour les mettre sur Figma, c'est qu'on n'a pas su faire la capture puisqu'il ne savait pas scroller automatiquement comme il a désactivé son scroll. Donc c'est pour ça que dans le Figma, si vous allez jeter un petit coup d'œil, en fait, c'est un assemblement de plusieurs captures que j'ai faites parce que je n'avais pas fait une capture complète one shot. Petit détail, mais c'est vrai que... Oops. Voilà, ok. Bon, ben... Pour aujourd'hui, on a fait le tour. Est-ce qu'on a des commentaires ici? Je n'en vois pas. En tout cas, le projet est là. Le live est là, donc si tu regardes cette vidéo, que tu veux laisser un petit commentaire, tu peux laisser, on va recevoir la notification et on verra ça pour la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que semaine prochaine, enfin, je vais pas dire semaine prochaine, mais prochain live, on va refaire ça. Oups, je vais en voir ça. Oups. Je remets ça bien. J'aime un peu. Donc, on va refaire cette formule portfolio, analyse. Mmh. Et ce qu'on aimerait bien, secrètement, avec Robin, c'est que tu nous envoies ton portfolio pour qu'on puisse t'aider, en fait, à optimiser ton site web et faire en sorte que ton portfolio puisse attirer un peu plus de clients. Ou en tout cas, attire la curiosité et que les gens te contactent. On voudrait te soutenir là-dedans. Donc ça, c'est un peu l'objectif. Sinon, voilà, je pense que pour une première expérience, on est là depuis une petite heure. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu penses? Oui, nickel. Est-ce qu'on passerait au mini tuto de curseur ou est-ce qu'on dédie ça dans une autre vidéo à part? Ah. Comme tu veux. Tu veux... Peut-être expliquer ça, on pourrait faire un... Comme tu veux, on peut faire un... Je pense que de toute façon, ce sera vite fait, donc s'il y a encore des gens qui sont motivés à regarder pour ça et qui veulent refaire certains effets. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme ça on sait que vous êtes là. Et alors sinon, tu peux mettre mon écran. Ouais, voilà. Nickel. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai surtout retenu des deux derniers portfolios, c'était les curseurs personnalisés et le fait qu'ils servent justement à mettre en avant certains éléments. Donc, on a vu, par exemple, mettre en avant certains mots, certaines images de projets, etc. Et donc, je me suis dit, allez, je vais vous montrer comment on fait ça sur Webflow. Comme ça, si vous voulez le refaire dans votre portfolio, vous allez voir que c'est assez facile à faire. Et donc, voici la petite démo que je vous propose. Donc j'ai ici simplement mis en avant quelques projets et alors tu peux voir que quand je survole certains éléments, j'ai mon curseur ici qui s'agrandit. Donc j'ai mon curseur custom qui suit ma souris au scroll, etc. Et alors qui s'agrandit avec certains éléments. Et alors, évidemment, il y aura quand même un tout petit peu de code, mais le principal effet, donc le fait que le curseur s'agrandisse ici au survol, c'est un effet Webflow vraiment super simple à faire. Donc voilà, je vais te montrer ça. Nicolas qui dit yes. Ben voilà, Nicolas, tu auras le secret. Vas-y, montre-nous. Alors, je vais dans mon projet. Yep. Ok. Alors, pour ça, j'ai dû créer une simple div qui correspond donc à mon curseur. Donc là, tu la personnalises absolument comme tu veux. Moi, j'ai décidé de faire un petit cercle rond comme ça. Après, si tu veux mettre une image, tu mets une image. Comme sur les autres projets, si tu veux mettre un texte comme ça qui tourne, tu peux mettre OSVG qui va tourner ou même tu vas même animer la rotation avec un peu de custom code. Ça, voilà, c'est toi qui vois. En tout cas, donc voilà, j'ai ma div ici curseur. Je lui donne un identifiant pour aller la récupérer après dans mon code. Et alors, le principe, c'est que via le code que je vais te montrer ici, on va essayer de récupérer la position de ma souris. Et alors, on va faire en sorte que cette fameuse div curseur la suive. Alors là, ça va peut-être paraître un peu barbare, mais si tu veux, je te ferai un copier-coller du code. Si tu me le demandes, je t'enverrai ça. En fait, c'est simplement le code qui va aller récupérer le curseur
qui va aller récupérer toutes les positions de la souris et notre niveau de scroll. Et alors, hop là, juste à la fin ici, il va juste changer la position de ma div par rapport à ma souris. Donc ici, ce code un peu barbare, si tu sais pas lire le code, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. C'est simplement le code qui va récupérer la position. Et alors ensuite, ben on va dire, voilà, mon mouse cursor, son style top va être à certaines positions en pixels. Et pareil ici. Donc, bien faire attention, évidemment, de la mettre en position absolue. Voilà. Et alors, mon code, en fait, va juste faire, en gros, ceci. Donc, il va aller changer les valeurs ainsi. Et pareil ici. Donc là, je vais reset, évidemment. Yep. Donc ça, c'est pour que mon curseur ici suive ma souris. Ensuite, pour avoir cet effet de grandissement, je ne sais pas comment dire ça, enfin, que le curseur s'agrandisse. Flottement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi un petit effet de flottement. Je pourrais montrer juste après. Vas-y. Ouais, je pourrais montrer juste après, ouais. Mais en tout cas, ouais, pour que le curseur s'agrandisse au survol, c'est une simple animation Webflow. Donc ici, tu vois qu'il y a le petit éclair. Yep. Mm-hmm. Et alors, c'est en mouse over. Ici, j'ai mon animation grow curseur. Et en gros, c'est juste dire que là, ma taille du curseur, elle s'agrandit. Ouais, tout simplement. D'ailleurs, ici, on voit en preview qu'elle s'agrandit. Et alors, surtout, ne pas oublier aussi qu'en over out, donc une fois que je suis plus au survol, bah, bien la remettre comme elle était par défaut. Sinon, elle restera tout le temps grande et elle ne se remettra jamais à la normale. Donc, tu vois, ici, il n'y a pas plus simple comme animation. Donc, le seul truc un petit peu compliqué, bah, c'est de refaire ce code qui dit bah, « suis ma souris ». Mais de toute façon, là, tu as juste à copier-coller et ce sera bon, tu pourras le refaire. Et alors ensuite, bah, tu sélectionnes les éléments sur lesquels tu veux que ça s'agrandisse et puis après, bah, tu les relis à ton animation et c'est fait, tout simplement. J'adore. Alors, je vais te montrer quand même... Tu dis tout simplement. Il faut juste préciser encore un petit truc qu'on ne s'est pas précisé avec Webflow. C'est ici ton élément curseur. Il faut bien que tu mettes en pointer events none. En fait, c'est une propriété qui fait en sorte que comme ta div curseur va tout le temps être en dessous de ta souris, ça va l'empêcher de cliquer où tu veux. Puisque tu vas tout le temps avoir le survol de ta souris qui va être tout le temps sur ton div. Et donc, si tu te retrouves devant un lien, bah, en fait, c'est comme s'il se mettait par devant et que tu n'avais plus cliqué. Donc, c'est un peu comme si tu devais la rendre transparente. Ou en tout cas, tu lui dis que ta div ne doit pas réagir à n'importe quel élément, n'importe quel événement de ta souris. Donc, au mouse over, mouse out, etc. Donc, ouais, c'est comme si ça la rendait transparente et pour te permettre de quand même cliquer sur certains éléments. Alors ici, le translate, c'est juste pour que mon curseur se mette bien au centre de ma souris. Sinon, il se met en haut à gauche. Donc voilà, ça, c'est juste un petit décalage pour faire ça. Et alors ici, si tu voulais voir mon floating, c'est une petite animation ici en CSS. Donc, c'est un peu similaire, en fait, à l'interface de Webflow, sauf que là, tu vois, c'est du code. Donc, tu dis à 0%, ben, je fais une translation de 0 pixels. À 50, je fais une translation de moins 15 pixels et puis je reviens à 0. Et ça, tu l'animes à l'infini. Et donc, tu vas voir cet effet comme ça de montée et descente à l'infini, simplement. Ce qui dans les animations Webflow natif n'est pas possible parce qu'il n'y a pas l'infini, justement. C'est ça, ouais. C'est pour ça que j'ai dû le faire au custom. Donc, ici, tu vois que je précise la durée. Le easy note, ça, on peut le mettre aussi sur Webflow, donc c'est le comportement de la vitesse. Puis ici, c'est le délai avant que ça apparaisse. Donc, j'ai mis un petit délai qui est à chaque fois décalé. Comme ça, t'as pas tout qui flotte en même temps. Ce sera un peu bizarre sinon, donc il y a un petit décalage. Ouais. Sympa. Ah oui, c'est bien ça. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est joli, c'est qu'on a vraiment l'impression que ça bouge très naturellement, en fait. Ouais. Donc c'est ça, il faut juste ajouter un petit décalage, et alors en plus j'ai mis aussi un petit parallaxe quand on scroll, comme ça t'as vraiment cet effet comme tu dis de décalage, ouais. Et donc voilà pour la petite astuce Webflow. Bah, merci. Nicolas qui se moque de moi quand je dis tout simplement. Ouais, tu vois, je suis pas le seul. Non, top, génial, merci pour le tuto, Robin. Avec plaisir. Est-ce que tu vas nous faire une petite vidéo détaillé là-dessus, justement? Tu comptes faire une petite vidéo? Bah alors, soit j'extrais cette partie-là du live et je la repasse sur ma chaîne, ou alors on ferait une vidéo détaillée. Ouais. Ouais, okay. Ou peut-être on pourra aller voir justement un peu plus en détail comment on fait pour suivre les mouvements de la souris, un peu plus analyser le code que j'ai mis. Ouais.
En tout cas, si dans les commentaires, quelqu'un, voilà, si vous dites que vous aimeriez une vidéo, Robin se fera un plaisir de la faire du coup. Et puis sinon, Voilà. Quitte voilà. même à faire un petit clonable peut-être à la fin. Ça sera Pourquoi peut-être plus pas? pratique. Ouais. Ok, super. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à tous. Et on se voit dans une semaine ou deux. On va pas donner de On va pas garantir date. la semaine prochaine hein, parce que sinon on va avoir le même couple la fois passée. Je ne dis pas, je ne dis pas. Mais en tout cas, nous, ce qu'on attend, ce qui est sûr, c'est qu'on attend vos portfolios et on aimerait bien donc le partager sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à envoyer ton portfolio et on se fera un plaisir de, voilà, de l'analyser ici, te donner des petits tuyaux. Donc voilà. Avec plaisir, Nicolas. Et bonne soirée à tous. Rendez-vous dans quelques temps. T'inquiète, salut. Ciao. Salut, salut.